Je peux voir où il y a 20 personnes sur Facebook. Je sais absolument pas comment partager le truc. Putain, il y a Fabien qui a partagé, ça c'est sympa. J'ai envie d'éternuer. J'espère que j'ai bien réglé l'audio. Attends, pourquoi y a ça? Hop, pourquoi y a ça? Oups, s'il y a un problème. Et ben on va commencer tout de suite, tant pis. Hop. Bonjour à tous, et un petit souci technique, ça a duré moins longtemps que prévu le partage. Alors laissez-moi quelques minutes, c'est le problème des raccourcis clavier que j'ai cliqué par erreur. C'est pas grave, t'inquiète pas. Bonjour à tous, laissez-moi juste un instant, parce que du coup, les quelques minutes servaient à faire quelque chose. Hop. Bonjour à tous, juste un instant. Hop, petit souci technique pour lancer le live. Il n'y a pas de problème. Ah oui, effectivement, du coup, effectivement, merci Patrick. Je m'étais bien promis de dire que des choses intelligentes durant ce live. Et pourquoi il y a encore un truc qui s'affiche? On va y arriver. Voilà. Alors, je l'affiche les commentaires, mais il y a beaucoup de monde, dis donc, il y a beaucoup de monde. Donc c'est un live qui va être à la fois sur YouTube et sur Facebook. Donc je vois que sur Facebook, vous êtes déjà 22 spectateurs, sur YouTube, vous êtes 29. Et ben ça fait déjà pas mal de monde. C'est bon, j'ai réussi à ne pas faire de raccourci clavier en même temps. Je mets les commentaires. Bonjour tout le monde, on va lire les commentaires en parallèle de tout le monde. Bienvenue à tous sur ce live. Bonjour David des Secrets du Son qui est là également. Bonjour Raymond, ah, j'ai pas le temps de lire tous les noms. Bonjour Benjamin, bonjour David, bonjour Lionel, Tommy, Yann. Et puis sur Facebook, on a plein de monde. On a Laurent de Français Mao, on a Vincent, Baba Aurum. Guillaume, Fabien, Esther, Nicolas, Jean-Philippe, il y a beaucoup de monde, bonjour à tous, bonsoir plutôt, parce qu'effectivement c'est la nuit, il y a quelqu'un qui le bonsoir note, bonsoir à tous, ouais. Yann qui le note bien justement, alors je regarde 26 spectateurs maintenant sur cette 26, enfin en gros une soixantaine au total, si j'arrive bien à compter, mais on va pouvoir commencer. Donc bonsoir à tous, hein. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Bon, je pense que vous me connaissez tous, ou à peu près tous, vous avez dû voir ma photo sur mon site Facebook, mais donc Adrien Perrineau, je gère depuis 2016 le site projeumstudio.fr. Donc je suis très content de vous avoir tous sur le live, et puis comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul, il y a un invité d'honneur aujourd'hui. Bonsoir à tous, moi je suis Gauthier Folgoès, alors je suis un ami d'Adrien et on se connaît depuis pas mal d'années. Et en tout cas, je suis content de pouvoir vous montrer ce qu'on vous a préparé depuis pas mal de mois. Oui, même un an entier. Hein. Qui vous servira très certainement. Vous allez le voir. Bah ouais, c'est un grand événement aujourd'hui. Vous avez vu un petit peu, vous avez sans doute vu le trailer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé le trailer d'ailleurs. Vous avez vu le trailer qui est sorti la semaine dernière. J'en ai parlé un petit peu partout. Je vous ai spammé avec mes mails, etc. Mais voilà, c'est un grand événement Projeum Studio. C'est d'ailleurs le deuxième live aussi hein, que je fais, parce que je suis pas rompu encore aux exercices des lives. Et le premier live, c'était en octobre 2020, si j'ai pas de bêtises, lors de la sortie de la formation. Ma formation sur le mixage audio étape par étape, donc c'était tout premier live que je faisais et le premier live de ma vie d'ailleurs, et aujourd'hui c'est le deuxième, donc c'est un grand événement à ce titre là déjà, en tout cas pour moi. donc aujourd'hui on a quelque chose à vous annoncer. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, hein, Christophe, David, Marc, Patrick, Romain, Monsieur Romain Ganet également qui est là. Voilà, on a quelque chose de très important à vous annoncer. On a construit quelque chose qui s'appelle
je fais pas trop languir, qui s'appelle Professeur IQ, donc IQ, les lettres E et Q hein, pour l'égaliseur. Vous voyez le petit logo là, vous avez pas besoin de cliquer tout de suite, enfin vous pouvez si vous voulez, mais vous êtes pas obligé de cliquer tout de suite sur l'adresse, sur l'URL qui est en bas de l'écran, tout simplement parce que... On va vous le présenter, c'est pour ça qu'on fait un live, c'est pour vous en parler. donc c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Professeur IQ, c'est quoi ? J'allais dire c'est une application, mais c'est plutôt un outil, puisque c'est quelque chose que... C'est une page sur le site, vous allez le voir dans pas longtemps. C'est une page sur le site Projet Home Studio, à laquelle vous pouvez accéder aussi bien depuis votre ordinateur que sur mobile. Donc c'est pas une application en tant que telle, c'est un outil sur le site qui va vous aider à vous entraîner. C'est une sorte de petit jeu qui va vous aider à vous entraîner à reconnaître les fréquences. Ça va vous aider à apprendre, en fait, comment sonnent les fréquences. Ça veut dire que vous allez être capable, grâce à Professeur IQ, de faire la différence entre 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, etc. C'est vraiment le but du jeu. Hein. Pourquoi je vais remettre la caméra globale, vous retrouvez le petit logo du professeur en bas à gauche, si jamais il vous manquait déjà. Pourquoi on a voulu faire Professeur IQ ? Le constat de base, en fait, je regarde en même temps les commentaires, si vous demandez pourquoi on a les yeux baissés de temps en temps, c'est parce qu'en fait, il y a un écran juste en dessous de l'appareil photo. On essaie de suivre un petit peu les commentaires. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Il y a plein de monde, j'ai pas le temps de... Je peux pas cliquer sur le like de tous les commentaires. Je vois des noms que je connais, des noms que je ne connais pas. Bonjour Laurent, bonjour JB, bonjour Franck, qui suit aussi Projet Home Studio depuis longtemps. Je vais regarder combien on est quand même. Combien on est. Hop. 28. Ouais, 31 même déjà. J'espère que c'est suffisamment fluide pour sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes techniques, si vous entendez mal. Mais je pense que ça va... je pense que ça va passer. On est à peu près 70 au total. Donc de quoi on va parler ? On va parler aujourd'hui de Professeur IQ, on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va vous expliquer pourquoi on a voulu le créer, hein. Je vais en parler dans un instant. On va vous expliquer aussi comment on l'a créé, parce que je pense que, ça fait un an hein, qu'on a travaillé sur ça. Donc du coup, il y a un peu toute une histoire qui s'est créée, donc on va vous raconter ça rapidement. Gauthier va vous faire une démo de l'outil, du coup. Puisque c'est Gauthier qui le maîtrise le mieux, vu que c'est lui qui l'a programmé à 99%. donc vous aurez la petite démo, et puis dans une deuxième partie de l'émission, alors dans un premier temps je vous donnerai quelques conseils sur comment utiliser Professeur IQ de la façon la plus efficace possible, et puis ensuite il y aura toute une session de questions-réponses autour de l'égalisation principalement. Si vous voulez parler d'autres choses, n'hésitez pas à ce moment-là, mais le but ce sera de parler surtout d'égalisation. Donc si vous avez des problèmes d'égaliseur, si vous vous demandez quel plugin vous devriez utiliser pour l'égalisation, etc., quel plugin j'utilise, je pourrais vous faire des démos s'il y a besoin, etc. Et puis on parlera du coup d'égalisation. Ceci dit, n'hésitez pas si vous avez des... Merci d'ailleurs pour tout le monde qui confirme. Qui confirme l'image et le son, voilà, merci. Ouais. Lui dans mes pensées. Tant mieux, ça marche bien. J'allais dire, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions à interrompre à n'importe quel moment, alors on répondra comme on pourra. On voit les deux streams de commentaires en parallèle, c'est pas toujours très pratique, mais ce sera suffisamment pratique. On va répondre à tout le monde dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à nous interrompre à n'importe quel instant. Tout est ok à partir du lien YouTube, donc c'est bon sur YouTube, tout fonctionne bien. Je réponds rapidement à la question de Laurent Laurent Poussineau qui nous demande quelle est la différence avec les applications déjà existantes. C'est vrai qu'il y a deux applications qui font un petit peu le même style de choses. On va vous montrer déjà comment fonctionne la nôtre, donc vous pourrez voir si c'est mieux ou pas. Ce sera à vous de juger. Au-delà de ça, c'est une application qui est en français d'une part, donc ça peut être un avantage, je pense, pour les personnes qui parlent pas anglais, puisqu'il y a un certain nombre d'autres choses qui existent mais qui sont que en anglais. Et puis aussi, c'est un truc qui est complètement gratuit. Je vais en parler dans un instant. C'est une application qui est complètement gratuite. Pourquoi on a voulu faire Professeur IQ? Tout simplement parce que le
Bah, il y a un constat de base, enfin, c'est à ce moment-là que sur ce constat-là que je l'ai sollicité Gauthier. Le constat de base, c'est que utiliser un égaliseur en légalisation, un légaliseur en lui-même, c'est simple. Une fois qu'on a compris qu'à gauche c'est les basses, à droite c'est les aigus, que quand on monte ça fait plus fort et quand on va vers le bas ça fait moins fort. Généralement, même si au tout début peut-être qu'on était perdu, au bout de quelques minutes, généralement on a compris ça, il n'y a pas trop de problème. Le problème, il vient quand on essaie d'égaliser nos pistes, nos guitares, nos basses, nos pistes de voix, qu'on essaie d'égaliser des choses, qu'on essaie d'égaliser des mix, on se dit, mais en fait, quelle fréquence je dois booster ? Ou alors, quelle fréquence je dois couper pour retirer les problèmes ? Parce que j'entends que ça sonne pas très très bien, mais est-ce que je dois couper du 500 Hz ? Est-ce que je dois couper du 250 Hz ? Réussir à entendre les problèmes de fréquence, notamment, je pense que corriger les problèmes, c'est déjà 50% du mixage, hein, voire plus. Corriger les problèmes de fréquence, voilà, ça nécessite d'être capable d'entendre ces fréquences. L'objectif avec Professeur EQ, c'était de solutionner un petit peu ce problème-là. Et on a souhaité proposer, comme je disais, un outil qui est complètement gratuit, pour que tout le monde puisse progresser, pour que tout le monde puisse s'entraîner à son rythme, comme il veut. Si vous voulez vous entraîner une fois tous les mois seulement, vous pouvez. Si vous voulez vous entraîner 15 fois par jour, vous pouvez aussi. C'est tout à fait. C'est vraiment le but. Gauthier s'est entraîné à mort pour le live. Donc, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir. Donc c'est une application qui est gratuite. Il y aura peut-être dans le futur une application, une version payante. Si jamais ça se produit, ça va plutôt être sous la forme de fonctionnalités supplémentaires du style des statistiques individuelles pour les personnes pour voir si vous progressez, d'autres fonctionnalités voilà qui pourront être ajoutées. Mais j'insiste dessus, aujourd'hui, l'application en l'état telle que vous allez la découvrir aujourd'hui, enfin ce soir, c'est une application qui est vraiment 100% gratuite. On l'a vraiment conçue pour que ce soit utile pour tout le monde, que tout le monde puisse s'entraîner autant de fois qu'il veut. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire, allez sur l'application, elle est trop bien. Et en fait, dans une semaine, vous allez rire, faut payer 15€ par mois, sinon vous pourrez plus vous entraîner. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, on est vraiment là pour présenter un outil 100% gratuit en fait. C'est ça. C'est vraiment l'idée. Merci, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent que c'est cool et tout ça. Déjà l'idée est cool. JB, une seule chose à dire, merci de Nicolas. Sur YouTube, je vois des gens qui disent que c'est cool. L'oreille, c'est la base, clairement, ouais, c'est vraiment important, hein, parce que vraiment, dans l'apprentissage du mixage, être capable de cibler certaines fréquences, c'est vraiment ultra important. Et parfois on s'en rend pas toujours compte, d'ailleurs au début on a l'impression que c'est plutôt des techniques et tout ça à connaître. En fait, être capable d'entendre les détails, c'est vraiment important. Sympa, merci. Pourquoi tu fais tourner ton Revox derrière ? C'est pour le design. C'est pour que ça fasse joli. Si tu veux, je peux l'arrêter si c'est perturbant. mais voilà. J'espère qu'il y a assez de bandes, mais a priori, oui. c'est sympa comme appli. Merci, on a des commentaires positifs. Il y a Brutal de Luxembourg qui dit après on peut mettre la main à la poche de manière volontaire. Bah, si jamais il y a des personnes qui souhaitent le faire, c'est super gentil. N'hésitez pas à me faire un. On n'a pas de système pour l'instant qui est mis en place pour faire des dons, etc. On pourra le rajouter éventuellement dans le futur, hein, sur la page. Mais bon, c'était pas le but de base, on va dire. Mais s'il y a des gens qui trouvent ça trop bien et qui veulent faire un petit don ou quelque chose, enfin, je pense que vous pouvez le faire en live sur YouTube. Si jamais c'est activé, j'ai un doute. Et si jamais c'est pas le cas, vous pourrez me faire un petit mail ou un truc comme ça. Il y a la page contact sur le site, vous me faites un petit mail et puis je vous enverrai les informations nécessaires pour faire ça. Merci par avance si vous le faites, mais voilà, en tout cas je redis, c'est bien une application qui est gratuite ouais, quand même. du coup bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en même temps. On est vraiment super contents de tous vous voir. Ça fait pas mal de monde quand même, donc ça veut dire que, enfin, déjà vous êtes restés depuis le début de la vidéo, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on n'a pas été trop inintéressant. J'espère bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Peut-être je vais te laisser un peu la main, Gauthier. Peut-être tu peux expliquer comment on a, enfin quelle était la première étape, qu'est-ce qu'on a fait en fait, tout simplement. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Par quoi on a commencé, quoi? Par quoi on a commencé? Je ne sais plus exactement. Je sais que... Alors, tu m'as contacté parce que tu voulais faire une application pour connaître les fréquences à l'oreille. Moi, de mon côté, comme je fais de la batterie depuis pas mal d'années et que je me suis mis à la guitare plus récemment et que je suis développeur, bah, j'étais partant pour travailler sur un sujet qui lie un peu les deux domaines. Par contre, je connais rien du tout en mixage. Et voilà, je connais toujours rien du tout en mixage, mais en tout cas, assez rapidement, on avait une première version d'application qui pouvait être utilisée. Alors, il y a quelques screens, ça c'était l'ancien logo que Adrien avait fait, enfin, c'est des idées de logo. Ouais. Mais on a changé les vêtements, etc., du professeur. C'était compliqué. Le nom de l'application aussi, au début, n'était pas encore choisi, et le design de l'application non plus. Ouais, je vais mettre la petite... C'était passé en noir pour qu'on voit bien rien. C'était beau en noir. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était beau en noir. Et puis après, on avait fait un petit... Ça s'appelait Dr. EQ, comme vous pouvez le voir à un moment. Dr. EQ, on avait la barre de score un peu mis différemment, on avait des sliders, vous allez voir dans un instant que c'est différent. J'en profite, c'est pour ça que j'étais un petit peu perturbé en même temps que tu parlais, Gauthier, je m'excuse. On remercie très, très, très vivement, c'est comme ça qu'on dit, Benjamin Palot qui nous a mis un petit tip sur YouTube. Merci beaucoup, Benjamin, c'est super sympa. Je sais que sur certains lives, il y a des trucs qui s'affichent pour dire merci, Benjamin, dès qu'il y a un tip, mais là, j'ai pas activé le truc, je sais pas comment on fait, mais le jour où je saurai, je l'activerai. Enfin, moi, ceci dit, merci beaucoup, Benjamin, c'est super gentil. Merci beaucoup. Je regarde les commentaires en même temps, et il y a Kontovorsky qui trouve qu'on dirait les Daft Punk. Alors, je sais pas si c'est... pourtant, on n'a pas le casque, donc... je sais pas comment faut le prendre. Mais en tout cas... Pardon ? À cause de la couleur, peut-être. À cause de la couleur, peut-être. Ouais, c'est une couleur légèrement... bon, je sais pas. merci. Vous êtes inspiré des cours de... Monsieur Thévenot, que je connais sur Facebook, non, pas du tout, puisque je suis jamais allé, ni Gauthier d'ailleurs, dans ses cours, donc je ne sais pas qu'est-ce que... Enfin, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je ne sais pas ce qu'il dit. Donc voilà, non, je regarde juste. Un Patreon, c'est vrai que on pourrait mettre un Patreon aussi. Je n'arrive pas à avoir des techniques pour mieux entraîner mon oreille. Bah justement, avec Professeur EQ, ça va vraiment être la meilleure façon, je pense, d'entraîner son oreille pour tout ce qui est fréquence. Hein. Pas pour tout ce qui est dynamique, ça c'est un autre sujet. Mais voilà. Et il y a de la bonne humeur, c'est génial. Bah écoute, on essaye. on essaie d'être normaux. voilà. Je reviens sur... Hop, donc on a Dr. EQ, voilà. Je vais nous remettre en grand. Et en fait, je pense qu'en mai 2000, enfin il y a un an, en mai, ouais, 2021, on a pu faire une phase de bêta testing. Alors on s'est vite rendu compte que l'application était, enfin que le jeu était trop dur et que c'était pas assez clair. Et d'ailleurs, peut-être que Adrien, tu peux remercier, parce qu'on avait quand même noté. On a noté les noms parce que les noms de ceux qui ont participé, c'était pas, super sympa. Enfin, je ne prétendrai pas mémoriser tous les bêta-testeurs, enfin, si je me souviens d'eux, mais pour les dire en live, c'est plus compliqué. Donc on remercie Yann, Jonas, Cédric, Rémi, Fabrice, Thibaut, Cyril, Benjamin, Alexis, Mickaël, Stéphane, Morgane, Joseph, Marc, Yvan, Antoine, Gilbert, Laurent aussi, on profite, si jamais vous ne connaissez pas Laurent Wyss, il gère un groupe sur Facebook avec une équipe qui est super, un groupe qui s'appelle France MAO, si jamais vous êtes à la recherche d'un groupe Facebook un groupe Facebook sur la MAO, son groupe est très très bien. Il y a aussi le groupe de JB qui est dans le chat, qui s'appelle Secret de Beatmaker, n'hésitez pas à y aller aussi, c'est deux super groupes, donc vous m'y retrouverez notamment, mais vous retrouverez aussi plein d'autres personnes sur ces groupes, pas dans le bêta testing, mais plus récemment on a échangé aussi avec Stéphane du site synthfood.fr. Si jamais vous connaissez pas synthfood, donc synth c'est les synthétiseurs, hein, synth, food comme la nourriture, synthfood.fr. Si vous aimez les synthétiseurs, c'est vraiment un des sites de référence
sur lesquels vous pouvez aller, allez-y, voilà. Donc on remercie toutes ces personnes-là qui nous ont donné plein d'informations, plein de conseils, plein d'avis super intéressants qu'on a pris en compte, ou en tout cas essayé de prendre en compte dans la nouvelle version qu'on vous présente aujourd'hui. Donc effectivement, on avait fait le bêta testing en mai 2021, ensuite à l'été il y a eu une petite pause parce que moi j'ai eu des petits soucis médicaux, pas très graves, mais qui m'ont un peu ralenti. Du coup on a un peu dépriorisé ça, on a repris plutôt sur la fin de l'année avec un fine tuning du comportement sur mobile notamment. Ouais, voilà, pour ça. Parce qu'au début on n'avait pas fait la version mobile encore, et c'est souvent le plus compliqué. Ouais. Laurent qui demande, est-ce qu'il y a des niveaux avec plus de bandes que sur ton visuel? Et ben, on va voir ça dans un instant, mais je sais plus quel visuel c'était au moment où il y a eu le commentaire. Je pense qu'il y avait déjà le maximum de bandes, mais on va voir ça dans un instant, puisque je vous propose qu'on passe à la démo. Si j'arrive à afficher l'écran. Je vais prendre la main. Non, c'est pas ça. Hop, c'est ça. Je te laisse la souris. C'est pas ça. Si, c'est ça. C'est ça, ouais. Alors là, je suis sur le site projetmstudio.fr que vous devez connaître probablement. J'espère. Et je peux accéder du coup à la page du jeu en cliquant dans le menu du site, Professeur EQ. Là, j'arrive sur la page. Alors pour tous ceux qui n'ont pas de papier-crayon pour noter ce que je suis en train de vous raconter, vous pouvez cliquer ici et voir le tutoriel. Ça lance une vidéo qui est très complète et qui vous expliquera l'intégralité du jeu, quoi. Mais c'est moins bien qu'en live quand même. C'est moins bien qu'en live, je suis bien d'accord. Restez quand même sur le... En plus, vous allez voir ma performance après, ça va être impressionnant. Ouais. Alors, Professeur EQ, c'est quoi? Déjà, il y a deux modes de jeu. Il y a un mode entraînement et un mode challenge. Et là, on va essayer tout de suite le mode entraînement. Excuse-moi, je te coupe juste un instant. On fera des petites pauses pour regarder les commentaires à des moments. On s'était pas dit tout à l'heure, mais... Alors le mode entraînement, là on arrive sur cette page, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a des boutons ici pour lancer et arrêter la musique, pour valider sa réponse, des boutons pour sélectionner la fréquence que l'on souhaite inclure dans sa réponse, et un graphique ici qui va évoluer en fonction des fréquences qu'on sélectionne. Et le but en mode entraînement, ça va être de retrouver une égalisation qui a été appliquée aléatoirement sur un morceau, en la reproduisant. Et on va essayer tout de suite. Ouais. Je vais lancer la piste égalisée. Avec le casque, ce sera mieux. Attends, pendant que tu écoutes, je regarde juste les commentaires. C'est bon, il n'y a pas de nouveaux commentaires là tout de suite. Je pense que tout le monde t'écoute. T'écoute. C'est parfait, alors là on a entendu la piste égalisée, maintenant je vais essayer de retrouver l'égalisation qui a été appliquée en cliquant sur mon égalisation, ce qui va lancer la piste brute, et je vais cliquer sur les différentes fréquences pour essayer de reproduire ce que j'ai entendu dans égalisation cible, quoi. Alors on essaye ensemble, je clique sur mon égalisation. Mettre le casque en entier parce que je suis incapable de reconnaître. Il y a peut-être des gens qui ont déjà répondu, je sais pas. Très intéressant. On peut choisir le morceau. Alors, on va répondre aux questions en même temps. Benjamin qui dit on peut choisir le morceau. Non, c'est aléatoire en fait. Donc, il y a plusieurs styles musicaux. Pour l'instant, c'est aléatoire. On verra dans un instant qu'il y a quand même un petit réglage qui peut être fait. Mais pour l'instant, en tout cas, on peut pas choisir le morceau. Très intéressant. Hop, bonsoir Pascal. Pascal, bonjour Pascal. On t'écoute religieusement. Bah, tu vois, il y a plein de gens qui t'écoutent. Bah... Donc je vais arrêter de parler. Du coup, je te laisse refaire peut-être l'écoute. Du coup, égalisation cible. Je réécoute égalisation cible. On va dire que. que la réponse est sur la fréquence des 4000 Hz, c'est que les 4000 Hz ont été amplifiés. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais valider la réponse. Et c'était pas ça.
Bon, c'est pas grave, mais c'est normal, je me suis pas assez entraîné, contrairement à, malgré les conseils d'Adrien. Mais bon, si c'était la bonne réponse, ce serait la perruque en verre et ça aurait été un grand succès. Alors là, avec trois fréquences, normalement c'est assez facile. Bon, là je me suis raté, mais ouais, ça arrive. C'est dommage, on a fait quand même un petit test de, pour la vidéo avant pour voilà, être sûr qu'on vous. Qu'on vous dise les choses de façon un peu claire, quoi. À chaque fois sur les tests, t'avais toutes les bonnes réponses, quoi. C'est vrai. Donc c'est l'effet live, l'effet démo. Mais du coup, tu disais qu'en tout cas, là, il n'y a que trois fréquences. On parlait de difficulté tout à l'heure. Il est possible d'augmenter la difficulté, du coup, en cliquant sur le bouton ici. Et on peut avoir de 5 jusqu'à 7 fréquences en difficile. Par exemple, si je sélectionne difficile, je retrouve mes 7 fréquences. Et si on est vraiment débutant, il peut avoir un intérêt de changer la source sonore. Il est possible de choisir du bruit rose. Alors c'est pas agréable à l'oreille, mais si on s'entraîne dessus, en tout cas, ça permet de vraiment faire la différence entre quelle fréquence est amplifiée ou diminuée. Ouais, c'est clair que c'est un. Enfin, avec le bruit rose, bah, d'une part, on entend tout de suite beaucoup mieux, parce que bah, le bruit rose, il contient un peu toutes les fréquences, donc du coup, si vous boostez une fréquence, bah, vous allez tout de suite l'entendre, alors que sur un morceau de musique, bah, vous allez plus l'entendre si jamais il y a déjà de l'énergie sur cette bande-là, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est qu'avec le bruit rose, vous allez aussi mémoriser plus facilement le son des différentes bandes, ça va être tout de suite beaucoup plus clair. Donc si vous débutez vraiment, ou même si vous débutez pas, mais que vous n'êtes pas encore 100% à l'aise avec l'exercice, passez d'abord sur le bruit rose, entraînez-vous avec le bruit rose, et effectivement, comme tu disais, ça sonne pas, enfin c'est pas très agréable à entendre, mais entraînez-vous d'abord avec le bruit rose, et voilà. Il y a une question de Darlene qui dit « Bonsoir, je ne trouve pas l'appli sur Apple Store, c'est quoi le nom exact ?» SVP, c'est normal, c'est pas une appli sur l'Apple Store, c'est directement sur le site de Projome Studio. Je vais remontrer si peut-être vous n'étiez pas connecté à ce moment-là, si on est sur la page Projome Studio, par exemple la page d'accueil ou n'importe quelle page, hein, vous avez le menu en haut, sur mobile il y a un petit menu en forme de hamburger, enfin c'est le nom technique, mais le menu voilà, déroulant, quoi, et vous avez le lien Professeur EQ sur lequel vous pouvez cliquer, qui vous amène du coup sur la page, et là on était sur le mode entraînement, donc ça répond à la question de comment on y accède, du coup il n'y a pas de... Hop, voilà. Si vous n'y arrivez pas, non, bah alors Christian, nous, moi j'y arrive. Non, c'est moi qui n'y arrive pas, mais c'est normal. Mais du coup, je parle de tester en live. ce serait cool. Laurent qui nous dit sur Effet Bonaldi, je connaissais pas le nom Effet Bonaldi, mais ça devait être sans doute ça. Bonjour Cathy, j'espère que tu vas bien. Merci de venir sur le live. Un casque ouvert serait utile. Ben c'est un casque ouvert que bon. Je suis désolé, bon, Gauthier. pas fort dans les casques, le bruit rose, pas cool pour les oreilles. Ouais, ça c'est clair que par contre le bruit rose, faut le mettre vraiment doucement, hein, parce que sinon c'est pas du tout grave. C'est pour ça qu'on vous a pas fait la démo. C'est ça. Ce serait cool de pouvoir choisir si la bande son est un morceau entier ou bien juste un instrument seul. Effectivement, ça fait partie des retours qu'on avait eu à un moment, je crois. Ouais. Après, le problème, c'est peut-être dans un autre mode à penser, etc., mais le problème avec un instrument seul, généralement, si on prend une grosse caisse, sur une guitare éventuellement, mais sur une grosse caisse, par exemple, bah, comme il va y avoir plus d'énergie sur certaines bandes de fréquences et d'autres bandes de fréquences, je sais pas, les 8000 Hz sur la grosse caisse, ça va beaucoup moins s'entendre si on rajoute 12 décibels dessus ou si on les coupe, que quand c'est sur le morceau complet. Donc, on a fait le choix de partir plutôt sur des morceaux complets. Bon, a dit présentateur Canal Plus qui foirait tous ses démos en direct, d'accord, mais d'accord. Alors, je sais pas comment tu dois. Je sais pas comment le prendre, mais. Okay. Pas évident sur un morceau. Alors, je sais pas, Patrick, quand tu dis pas évident sur un morceau, j'imagine que tu réagissais par rapport à ce que je disais. Je pense que c'est plus simple sur le morceau parce qu'on a vraiment, il y a toutes les fréquences. visiblement, il y a plein de gens qui connaissent Bonaldi, sauf nous. En tout cas, sauf moi, je sais pas si toi t'es. Non, moi je connais pas. D'accord. Il y a des personnes sur YouTube qui nous disent qu'on est trop jeune, également, enfin, que je suis trop jeune, donc oui, effectivement, les grandeurs de nulle part ailleurs sur Canal, voilà. et ben on va parler d'autre chose que que Bonaldi, merci. non, voilà, donc du coup ouais, je suis pas sûr, n'hésite pas à préciser ta question, Patrick, sur la partie pas évident sur un morceau. Sur un morceau
morceau, je pense qu'on entendra plus. Alors, le bruit rose sera le plus simple. Sur un morceau, on entendra plus que si, comme je disais, si on avait juste la grosse caisse ou juste la caisse claire. Il y a certaines fréquences qu'on entendrait bien entendu très bien, mais d'autres fréquences qu'on entendrait sans doute moins, et du coup, ça rendrait l'exercice encore plus difficile. Voilà. On va se remettre sur la démo. Je te relaisse la main, Gauthier, excuse-moi, j'ai parlé trop. Ouais, alors là, je pense que on est prêt pour passer au mode challenge, parce que clairement, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était très très bien. Du coup, pour revenir à la page principale, je clique sur Professeur EQ. Vous pouvez aussi recliquer dans le menu tout en haut, hein, si vous voulez. Je sélectionne challenge. Et alors, peut-être qu'on peut essayer de le faire ensemble. Ah ouais, là on va. Ensemble tout... avec vous. Ensemble avec vous, parce que moi je suis nul. Alors là, le mode challenge, du coup, on retrouve les mêmes contrôles que pour l'entraînement. La seule différence, c'est que la légalisation qui a été appliquée aléatoirement, il faudra la retrouver à l'oreille. Il y aura juste possibilité d'écouter la piste brute et la piste égalisée. Pas de comparaison possible, quoi. Pas de comparaison possible, tout à fait. Et ben, je propose qu'on teste tout de suite. Et je vais d'abord lancer la piste égalisée, et puis après, je vais alterner entre piste brute et piste égalisée, et puis on va essayer de trouver tous ensemble. Mettez vos commentaires dans le chat, hein. Mettez bien vos commentaires dans le chat. Vous nous dites, est-ce que vous pensez que c'est les 250 Hz, 1000 Hz ou 4000 Hz? Est-ce qu'ils ont été amplifiés? Est-ce qu'ils ont été coupés? Donc, sachant qu'il y a bien sûr une seule bande de fréquence qui est une seule bonne réponse. C'est ça, on y va. Alors, je vais maintenant alterner avec la piste brute. Alors, quelle fréquence pensez-vous que... On va regarder. Est-ce que vous pensez que c'est les 250 Hz qui ont été boostés, 1000 Hz, 4000 Hz qui ont été boostés ou coupés d'ailleurs, hein? On a une réponse pour 4000 Hz, 4000 Hz boosté, 1000 Hz atténué. Je lis les commentaires en même temps sur YouTube et Facebook. Plus 12 dB à 10 000 Hz. Alors là, il n'y a pas 10 000 Hz sur le choix, mais je suis... Oui, 4000 Hz, ouais, bien sûr. Je suis plus d'accord sur les 4000 Hz. Mais il y a effectivement des choses qu'on entend dans les aigus, j'ai l'impression, en tout cas. On va voir. Alors ça, c'est qu'on écoute, ça c'est la cible. On va laisser le morceau recommencer. Là, on écoute la piste brute. Et là, la cible. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre dans les commentaires. Tu peux revenir à ce moment. Plus 4000 je suis pas sûr. Moins 4000. Est-ce qu'on peut regarder juste les commentaires c'est celui de droite. Voilà, 2000 Hz boost, 1000 Hz atténué. Alors 2000 il n'y avait pas comme option, là on a que 250, 1000 et 4000 de mémoire. Hello Eric, qui a boosté. Et ben on va... Alors il y a une seule, Raymond, il y a une seule réponse, une seule bande de fréquence là dans le jeu, il y a une seule bande qui est possible. On essaye moins 4000. Essayons. C'est la bonne réponse. Bravo à tous pour vos réponses. Pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, j'ai remarqué qu'il y a quelques personnes qui avaient dit 4000, plus 4000. Alors, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas été clair au moment où on a dit piste brute et piste égalisée. Et puis, moi, je sais que souvent, ça m'est arrivé en testant le jeu de me tromper, entre guillemets, c'est-à-dire que d'inverser le. Enfin, lequel était brut, lequel était la cible, lequel était brut dans ma tête. Mais en tout cas, c'est bien les 4000 Hz qui étaient en moins sur la piste cible. C'est ça. Voilà, alors on va voir quels sont les retours.
4000 Hz atténué, gagné, Franck, bravo. J'entends pas trop la différence, Kondvorsky. Et ben, si tu n'entends pas trop la différence, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu subtil. Alors, ça dépend sur quoi vous écoutez aussi, hein. J'en profite pour donner le conseil quand même. Écoutez, j'ai les commentaires en même temps, donc c'est très perturbant. Écoutez sur un, alors il n'y a pas besoin d'un méga casque, hein, clairement, mais écoutez sur un truc, par exemple sur un ordinateur portable, il y a certaines fréquences que vous n'entendriez pas, hein, les 125 Hz, ce serait impossible. Voilà, écoutez sur un casque un peu correct si jamais. Enfin, si vous ne le faites pas, déjà vous allez vous mettre en difficulté sur le jeu. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à utiliser le mode bruit rose, hein, je le redis, on l'a dit un petit peu plus tôt. Si vous n'entendez pas trop la différence, c'est pas un problème, c'est normal. De toute façon, je pense qu'on passe tous à un moment c'est pas facile. C'est pas facile surtout de percevoir qu'est-ce qui est diminué. Voir ce qui est boosté, enfin c'est mon impression, hein, mais voir les fréquences qui sont boostées, c'est assez facile, mais retrouver ce qui est diminué, c'est-à-dire moins d'aigus ouais. Par rapport à plus de basse par exemple, je trouve que c'est pas facile. Ben oui, ça c'est un truc intéressant parce que ça montre c'est un point qui est important à avoir en tête quand on mixe. C'est vrai pour le mixage, c'est vrai pour le mastering aussi, hein, bien entendu. Je trouve que le concept est particulièrement intéressant pour le mastering, même s'il est vrai pour le mixage en permanence. C'est que parfois, pour entendre par exemple plus d'aigus, vous pouvez faire le choix de baisser les basses si jamais c'est pas les basses que vous voulez entendre. Attends, mettez un avertissement sur Bruit. Ouais, je vois, mettez un avertissement sur Bruit, vous limitez le volume. On vérifiera le volume quand même, mais normalement le volume est au même niveau que les autres morceaux, donc ça devrait pas être trop gênant. Mais si jamais ça pose problème, on prend note du commentaire. Ouais. Je sais plus ce que je disais du coup. Quand on coupe une fréquence, au final ça fait ressortir les autres. Et donc parfois, on peut avoir, au lieu d'aller booster par exemple les aigus, on peut très bien contrebalancer. Je pense au mastering, hein, notamment, où parfois, pour éclaircir un peu un morceau, c'est peut-être un trop plein de basses en fait qui a dans le morceau, et parfois moins 1 dB sur les basses, ça va nous aider à entendre de façon plus claire ce qu'il y a au-dessus de ces basses. Donc voilà. Du coup, il y a Raymond qui nous demande sur YouTube, est-ce qu'on peut entendre le bruit rose au cas où que ce soit trop fort, qu'il y ait certaines personnes qui aient un casque déjà réglé à fond, etc. On va pas le faire à la démo en live, on vous invitera tous à tester directement quand vous irez sur Professeur EQ, ça évitera de... d'où ma double réponse, j'ai loupé. Ah oui. On vous invitera pour le bruit rose à tester par vous-même, comme ça vous pourrez régler le volume de façon sécuritaire, j'ai envie de dire, même si je redis, normalement il est pas trop fort. Une question, la réciproque est-elle vraie? Si on coupe les aigus, ça booste les basses? Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Et puis dans l'absolu, n'importe quelle fréquence, hein, à partir du moment où vous coupez une fréquence, c'est plus les autres que vous allez entendre, c'est un peu logique une fois qu'on le dit, mais on n'y pense pas toujours, et parfois on va aller chercher des problèmes dans les aigus alors que le problème il vient des basses. Comme je disais, s'il y a un peu trop d'énergie dans les basses, la solution c'est pas toujours d'aller booster les aigus, hein, y a plusieurs approches possibles. Quelle atténuation au boost est appliquée au test? C'est plus ou moins 12 décibels. C'est plus ou moins 12 décibels, donc c'est quand même très très marqué. Hein, ça fait un peu plus que deux fois plus fort en perception théorique humaine pour ces fréquences-là. Laurent qui nous demande justement sur est-ce que c'est toujours plus ou moins 12 dB ou ça peut être plus ou moins 6 dB. Aujourd'hui dans l'application, on a fait le choix d'être plutôt sur du plus ou moins 12. Alors dans les premières versions de l'application, il y avait plus ou moins 12 et plus ou moins 6 et c'était aléatoire. Mais on est revenu dessus parce que c'était trop compliqué en fait. Enfin, c'était trop dur. Effectivement, on s'est rendu compte que c'était un peu trop compliqué. On avait mis aussi plus nombre de... D'ailleurs, il y avait eu Benjamin qui demandait... J'ai loupé les questions un peu plus tôt. Possibilité de choisir le nombre de fréquences modifiées. Pareil, ça, on avait voulu au début avoir plusieurs fréquences possibles en termes de niveau de difficulté. Et pour l'instant, on l'a pas fait. On va en la retirer. Tout simplement parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que c'était déjà un petit peu trop compliqué, en fait. Ce sera peut-être quelque chose qu'on rajoutera dans le futur sous une autre forme. Je sais pas encore comment on le fera.
Il y avait une question aussi en mode entraînement, on a donc qu'un seul choix, pas de panachage de fréquence. En mode entraînement ou en mode challenge, hein, dans les deux cas, on a bien une seule fréquence en fait qui est la bonne réponse. Avec la possibilité d'augmenter, je vais juste leur montrer, augmenter hein, le nombre de faciles, intermédiaires ou difficiles, comme tu nous a fait la démo tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, on peut avoir toutes les fréquences. C'est pas un vrai live, c'est pas de la bière. Ah mais la bière, on la boira après. Après le live, c'est mieux. ça c'est un commentaire de Benjamin sur YouTube. Christian, j'ai vraiment une mauvaise oreille. Alors, mais non, c'est pas. Je pense faut pas. On peut tous. Enfin, je pense tous quand on commence à mixer ou qu'on commence à s'intéresser à ce genre de trucs. On peut se dire tiens je suis entre guillemets je suis nul. Enfin moi dans le passé j'y pensais, enfin on s'est tous dit quoi. Enfin... Je me le dis toujours, non c'est vrai, mais je pense qu'en s'étrenant, si on le fait régulièrement, je pense que assez vite on devrait avoir des résultats. Bah oui, c'est vrai. Moi, je l'ai pas fait, mais. Non, mais c'est vraiment le but. Bah, effectivement, là, je vais nous remettre sur la vue où on nous voit tous les deux. Voilà, ce sera mieux. J'ai trop de commentaires en même temps. Le cerveau, ça suit plus. Est-ce qu'on a une mauvaise oreille? Est-ce qu'on a une mauvaise oreille? Non, ça se travaille, c'est de la pratique, et effectivement avec ce type d'outil, vous allez vraiment pouvoir progresser, et plus rapidement, typiquement avec le bruit rose, effectivement faut faire attention au volume, pas mettre trop fort, sinon ça peut être pas très bon, mais effectivement c'est vraiment, si vous pratiquez, je sais pas, 5-10 minutes par jour, vous allez vraiment progresser, mais vraiment rapidement, enfin c'est vraiment beaucoup plus rapide que ce qu'on peut penser, en quelques jours, en une semaine, je sais pas. Vous allez tout de suite savoir comment ça sonne 250 Hz, comment ça sonne 1000 Hz, comment ça sonne 4000 Hz. Vous allez savoir que à 1000 Hz, quand vous avez les fréquences qui sont trop amplifiées, ça sonne de façon nasale. Voilà, vous allez le repérer, et du coup quand vous allez entendre un bout, ça sonne de façon nasale, hop, 1000 Hz, je descends. Alors après quand on rajoute le 2000 Hz à côté, je sais plus quelle fréquence on a mis juste avant, 500 Hz je crois, ça peut être un peu plus compliqué, mais voilà, ouais. On progresse tous au fur et à mesure. Une question de Darlin, excuse-moi si je prononce mal. Quand il y a un écho, est-ce qu'il faut couper ou booster basse, médium, aigu? Alors ça dépendrait de quel écho on parle. Souvent, enfin ça dépend. Il peut y avoir des choses dans les aigus, mais généralement si on est sur la voix, on va rien pouvoir faire parce qu'on va pas pouvoir faire grand chose parce que sur les aigus il y a la clarté, enfin les aigus et les au médium. Parfois on a des résonances qu'on peut couper parce que c'est les résonances de la pièce, couper un petit peu certaines résonances, je sais pas, dans les 500 Hz, etc. On peut faire des choses avec un égaliseur dynamique pour le coup, pour couper la résonance plutôt lorsqu'elle se produit, ça peut être une option. J'attends le niveau expert avec plus ou moins 3 dB et 20 bandes. Oui Laurent, on prend note. Hein, on essaie... c'est vrai que là pour le coup ce serait pas mal. Ça va être plus compliqué sur la version mobile d'avoir les 20 bandes, je pense, mais voilà. Quelle est la différence, alors une question pour toi peut-être Gauthier, quelle est la différence entre le mode entraînement et le mode challenge finalement? Alors la différence c'est qu'en mode entraînement on peut enfin le but est de reproduire l'égalisation, c'est-à-dire que en cliquant sur les boutons de fréquence on modifie le son de la piste brute, et au bout d'un moment par comparaison on va retrouver le son de la piste égalisée aléatoirement, quoi. Est-ce que c'est parfaitement clair ce que vous voulez dire? Ouais, c'est pas... N'hésitez pas à commenter si vous voulez plus de précision. Et du coup en mode challenge il n'y a pas possibilité de reproduire l'égalisation, c'est-à-dire qu'il faut juste deviner à l'oreille et voilà, et il y a un score qui s'affiche en haut de l'application pour vous indiquer votre résultat sur votre session, quoi. Tout à fait, il y a vraiment en fait en mode entraînement vous pouvez comparer vraiment, vous pouvez du coup c'est juste enfin c'est comme un... Non, j'ai pas de comparaison en fait. En mode entraînement, c'est vraiment. Vous entendez la piste aussi, vous entendez ce que vous faites. Et sur le mode challenge vous entendez pas ce que vous faites. Vous devez juste sélectionner la bonne réponse en comparant la piste égalisée et la piste brute. Donc, c'est à l'aveugle en fait. Hein, c'est à l'aveugle. C'est uniquement à l'oreille que vous devez deviner. C'est ça. Enfin, l'oreille, juste en entendant la piste brute et la piste égalisée, que vous devez deviner ce qui a été appliqué, quoi. J'espère que ça répond bien à la question. C'est vraiment super, en tout cas félicitations, merci beaucoup Patrick, j'espère que ça vous plaît l'application.
Oui, c'est clair, Raymond qui nous dit, mais tant mieux. Benjamin qui nous dit, au passage, je fais juste un commentaire perso, Adrien m'a fait découvrir un dos vraiment bien qui utilise Studio One. Et ben je suis d'accord, parce que Studio One, c'est mieux que tous les autres dos. Je plaisante, ne quittez pas ce live. mais Studio One, il est top, effectivement, on pourra acheter un œil après. Combien d'extraits sonores différents? Je pense qu'il y en a 8-10, un truc comme ça. On pourra en rajouter dans le futur. À l'oreille, pas à l'aveugle, oui, effectivement. Nicolas dit ok, merci pour les précisions. Pascal, formidable, mais merci beaucoup. On est content que ça vous plaise. Hein. Merci à ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure sur le live, sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous d'être présents. Ce que je vous propose, je pense pour la démo on est bon. On a déjà commencé en fait à passer sur la session questions-réponses. Franck il dit le meilleur Studio One Pro, mais je suis d'accord. Obligé. C'est mieux que tout. Donc voilà, de toute façon on a commencé la session questions-réponses. L'idée c'est d'avoir un temps d'échange, puisqu'on parle d'égalisation, on parle de professeur EQ. L'idée c'est d'avoir un temps d'échange sur l'égalisation notamment. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On essaiera d'y répondre. Si vous avez des questions sur Professeur EQ, continuez à les poser, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on va parler d'égalisation. Voilà. Pressonus est dans la place, oui, c'est bien. Je sens que je vais m'y perdre pendant des heures. Merci beaucoup, Gontran. Effectivement, je pense qu'on peut vite passer pas mal de temps sur ce genre de jeu. Surtout si on est pris au... Si on aime le challenge et qu'on est pris au jeu. Bah oui, parce qu'il y a le score, le but c'est d'être toujours à 100%, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Effectivement. Par contre, attention, parce qu'on peut fatiguer un petit peu avec ce genre de jeu, je trouve. C'est-à-dire que, au bout de 20 minutes, je suis pas sûr qu'on progresse autant qu'au début de la session d'entraînement, donc ça vaut le coup de le faire plutôt. C'est plus la régularité qui, je pense, est importante. Alors, pour les questions, on commence à avoir des questions sur les égaliseurs, etc. La fréquence, ça serait que sur la piste mastering ou sur un bus, ça peut se régler n'importe où. Là, je parlais du mastering tout à l'heure, je pense au moment où j'ai vu la question passer, mais l'égaliseur, objectivement, on peut l'utiliser sur n'importe quoi. Par défaut, d'abord sur les pistes individuelles, je pense que la première chose, c'est corriger les problèmes sur les pistes individuelles en écoutant la totalité du mix, et puis après on peut éventuellement égaliser les bus de batterie notamment, et on peut bien entendu égaliser lors du mastering, mais là c'est plus du fine-tuning à la fin. Benjamin qui dit quel VST utiliser en dehors de celui du Do. Alors je vais switcher sur Studio One justement, puisqu'on en parlait, si j'y arrive. Quel VST utiliser? Bon, potentiellement plein. Là, vous voyez sur la droite, moi, c'est les EQ que j'utilise. Je pense que c'est bien d'avoir un peu différents styles. Il y a bien sûr celui du Do sur Studio One, typiquement, il est très bien. Sur la plupart des Do, ils sont très bien. Moi, j'utilise quand même plutôt Pro-Q de FabFilter, qui est juste excellent, parce qu'on peut écouter individuellement les bandes. Je peux vous faire une petite démo, on va plutôt l'ajouter sur la... je vais mettre le casque aussi. On va plutôt l'ajouter sur la totalité du mix. Ce qui est très bien sur FabFilter, alors je vais pas faire une démo complète du logiciel, hein, mais c'est qu'on peut entendre juste la bande de fréquence qu'on écoute. Je peux entendre juste les basses si je veux. Là, je suis sur le mix complet. Voilà, vous avez pas mal de formes différentes d'égalisation, même en tilt, enfin si vous voulez, enfin il y a vraiment tout ce que vous voulez. Ça fait aussi égaliseur dynamique. Vous pouvez par exemple aller égaliser uniquement lorsqu'il y a trop d'énergie dans une bande de fréquence. Un peu n'importe où, mais voilà, ça peut être un égaliseur intéressant. Est-ce que tout le monde entend bien? N'hésitez pas à me dire aussi si vous entendez bien le son du Do. Normalement c'est bon, mais si jamais vous l'entendez pas, bien sûr dites-le moi. Ensuite je pense que c'est intéressant d'avoir des égaliseurs qui ont différents styles, qui ont différentes textures. Je vais vous faire une petite démo sur le kick. On va faire ça parce que comme ça ce sera bien clair. Sur le kick, je vais même prendre un autre sample de kick parce que je pense qu'il va être un peu trop
peut-être un petit peu trop sourd. Je vais retirer ce qu'on a dessus. Si je retire les gueules, ce sera mieux. Hop, on va aller chercher quelque part. Alors, je suis un peu loin de l'écran. Hop, ils sont où les 909 Voilà. C'est pas celle-là. Alors, je vais virer la reverb. Voilà, là on a juste notre kick, et ce que je vous propose, c'est qu'on compare un peu deux égaliseurs. On va prendre celui-là par exemple, deux égaliseurs de chez Overloud. On va prendre celui-là qui est une simulation d'égaliseur API, et on va prendre cette simulation d'égaliseur Neve. Alors on va pas comparer tout à fait les mêmes choses, parce que ça va pas être les bandes sont pas tout à fait les mêmes, mais l'idée c'est de voir que d'un égaliseur à l'autre il peut vraiment y avoir des différences de texture. Je vérifie si tout le monde disait qu'on entendait bien le son, nickel le son, ok. Du coup, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais booster les basses pour avoir plus de punch, hein, tout simplement. Donc on va tester d'abord sur le EQ 550, donc simulation d'EQ API. Vous entendez, c'est tout de suite. Alors si vous écoutez sur un téléphone, vous allez peut-être pas tout de suite l'entendre, mais sur un casque, c'est quand même plutôt clair, et sur les enceintes, ce sera encore plus clair. Là, je booste à peu près 6 dB à 80 Hz. On a quelque chose qui est assez punchy, qui ressort bien, alors que typiquement, si je fais la même chose... Sur cet égaliseur là, alors là on va utiliser un filtre shelf, parce que les égalisations en cloche elles descendent pas jusqu'au 80 Hz et quelques que j'étais en train de booster, mais si je booste un peu je vérifie exactement à quelle fréquence j'étais. Ouais, j'étais à 80 Hz, hein. Si je booste un peu ces fréquences, les basses. On voit que là, on a une égalisation qui est beaucoup moins punchy, en fait. Pourtant, là, je booste beaucoup, hein. Faut vraiment que j'aille à fond pour qu'on entende vraiment plus le punch. Donc là, on a un égaliseur qui va avoir une texture qui est très différente du truc très punchy qu'on avait juste avant, hein. Que je vous refais écouter. Ah, donc c'est pas du tout la même chose. Donc on a deux égaliseurs qui... alors je compare, on compare un peu de choses pas tout à fait comparables, effectivement, parce qu'il y en a un, c'est un filtre en shelf, et l'autre c'est un filtre en cloche, mais on est quand même en train de booster les basses. Vous entendez bien qu'entre les deux égaliseurs, il y a une vraie différence. Et du coup, bah, dans le mix, ça s'entend... on va peut-être juste mettre la basse et la batterie et la bassline. C'est avec l'égalisation API. Et ça, c'est le NIF. Voilà, donc c'est pas du tout. C'est pas du tout le. Pourquoi je change de fenêtre? J'ai pas compris, il y avait une question sur. On voit pas le plugin. Ah, on voit pas le plugin. Oh mince, je viens de le voir. Alors. Effectivement, je pensais que c'était partagé. Ah mince. Ah, c'est parce que ça s'ouvre dans une autre fenêtre, effectivement. Ouais, ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Et ben, je vais vous corriger ça, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Juste un instant. Si j'arrive à faire la display capture. Vous allez voir l'envers du décor. Voilà. Je vous le refais avec... Et moi, je vous le refais rapidement, l'ensemble des trucs. On va faire plus vite avec l'égaliseur ProQ. Alors, pardon. On peut vérifier que ça marche bien. Ah, mais du coup, je peux pas vérifier si ça marche bien. Donc, dites-moi si ça marche bien. Dites-moi si ça marche bien. Est-ce que vous voyez les plugins? Je suis désolé, je voyais pas les commentaires en même temps. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Je pense que ça a l'air bon. Est-ce que vous voyez le plugin? Normalement, c'est bon.
Là, c'est bon. Ok, super. Merci à tous ceux qui le confirmaient. Donc, il y avait ce qu'on regardait juste avant. Hop, je vous refais la démo très rapidement. Hop, ce serait bien s'il s'ouvrait. ProQ de FabFilter, qui est un égaliseur plus, j'ai envie de dire, qui permet de, d'entendre notamment les fréquences. Hein. Voilà, c'est le genre de fonctionnalité très pratique, donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Et donc ce que je montrais à l'instant, c'était cet égaliseur-là, par exemple, de chez Overloud, qui est vraiment super, qui ajoute vraiment pas mal de punch. Donc là, je boostais plus 6 dB à peu près 70-80 Hz, hein, on peut même descendre un peu. Ça rajoute aussi du punch sur la grosse caisse. Voilà, si maintenant on utilise cet égaliseur de chez Overlad également, hein, donc c'est la même marque, mais on est en train de booster ici pas mal, hein, je booste plus 8 dB, allez, à peu près à 60, 70, 80, hein. Bon, c'est un filtre en shelf, mais voilà. Et ben là, il n'y a pas du tout le même punch. Alors, je vais virer le compresseur sur le bus. Vous voyez que c'est pas du tout la même texture, donc c'est ce que j'étais en train de montrer, et ce que je faisais écouter, c'est que du coup dans le avec le mix complet, enfin en tout cas la bassline. Là avec l'EQ API, on a tout de suite du punch. Hein. Et je vais switcher. Là on a quand même beaucoup moins de punch, hein, donc c'est pas du tout la même texture. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir des égaliseurs différents. Je vérifie qu'il y a bien les... Hop, du coup, je suis désolé, vous allez voir vos propres commentaires. Il y a tout le monde qui dit oui, donc j'ai, visiblement, ça a l'air bon. vous allez voir vos commentaires en même temps, mais j'aurais pas de façon de le faire. Ce qui est pas très très grave. Après, il y a d'autres égaliseurs qui peuvent être sympas. Là, je les utilise pas tous sur ce morceau-là. Mais ce que j'aime bien, c'est... C'est celui-ci, le PSP-27, un très 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 bon égaliseur sur la voix notamment, c'est super, ça sert à plein de choses, mais sur la voix je le trouve vraiment super. Il permet de booster jusqu'à 28 000 Hz, donc largement au-dessus de ce que vous pouvez entendre. L'avantage c'est que ça fait une courbe pour monter les aigus qui est vraiment douce. Je vais vous faire écouter, vous allez voir, on va tout de suite pouvoir ajouter de l'air en fait au morceau. Hein. Ça, l'effet il est très très marqué, donc si on descend un petit peu les fréquences, il n'y a pas besoin de beaucoup, plus 1 plus 2 dB en tout cas sur le plugin, parce qu'en fait il booste un peu plus que 2 dB, mais ça fait tout de suite ressortir, hein, faites attention au hi-hat, hein, la Charleston, hein. Le plugin là il est vraiment super pour contrôler les aigus, et puis après bah, vous pouvez utiliser toutes sortes de plugins, mais typiquement les simulations de Pultec, ça me semble important d'avoir ça dans sa besace pour ajouter du punch. La grosse caisse, enfin je pense que ça s'entend vraiment, mais ça c'est un peu une technique classique Benjamin, je vois que tu disais, je suis pas au même level qu'Adrien, je vois pas trop la différence, et que moi, là, j'entends... alors j'imagine que c'était plus sur le PSP-27 que tu entendais, mais après, bon, voilà, la différence entre les égaliseurs, je pense qu'il faut pas aller... C'est toi qui posais d'ailleurs la question sur les... Est-ce qu'il faut utiliser des... Enfin, quels sont les différents égaliseurs qu'on peut utiliser? Je pense que faut pas se disperser trop, en fait. Dans un premier temps, l'égaliseur du dos, il est très bien, faut dire ce qu'il y a. C'est bien d'avoir un outil comme FabFilter ProQ, parce qu'il est un peu plus maniable, mais voilà. D'autres questions, il y avait une question, est-ce que tu connais Smart EQ 3 de Sunnyball? Oui, mais je ne l'utilise pas, parce que j'ai pas pris le temps de bien le tester. J'ai lu que certains EQ sont bons en soustractif et d'autres en additif, qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai, c'est surtout qu'en soustractif on va pas chercher à avoir des égaliseurs qui ont
ça dépend à quel moment, mais typiquement quand on veut corriger un problème sur une fréquence, etc., très précise, on va prendre plutôt un égaliseur qui est transparent, un égaliseur standard. On va plutôt prendre un égaliseur qui est neutre, qui impacte pas plus le signal. On veut juste corriger typiquement ProQ, hein. Je veux corriger une fréquence, bam, je la coupe avec un facteur Q super élevé, et puis voilà. Donc là c'est très simple, on a ce type d'égaliseur qui est très efficace pour couper. Et par contre, les autres égaliseurs que je montrais juste avant, bah, typiquement, c'est plus des égaliseurs que moi je vais utiliser pour booster, parce que je veux profiter de la couleur du plugin, de la simulation analogique qui est avec, et de ce que ça apporte. Il y a aussi certains plugins qui sont un petit peu meilleurs pour... au-delà de juste booster couper, c'est plus quand on est sur des égalisations larges pour aller ajuster la balance de fréquence du signal. Typiquement le PSP 27 qu'on voyait tout à l'heure, j'ajuste la balance, ça peut être bien quand on veut pas juste couper un truc très très précis, mais juste un peu moins de médium, un peu plus d'aigu, dans une logique un peu mastering par exemple, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'outil. J'ai vu une question, égaliseur dynamique, mix ou master, je suis pas sûr de bien comprendre la question, Gontran, n'hésite pas à préciser. Pour moi, l'égaliseur dynamique ou compresseur dynamique, parce que c'est quand même très très proche, il est utilisable dans les deux cas, sur des pistes individuelles, ou alors sur le mastering, mais ça sert pas à les mêmes usages, hein. C'est que dans le mastering, on va chercher à corriger des problèmes globaux sur le mix qu'on a entendu et qui n'ont pas été corrigés au mix. Dans la mesure du possible, il vaut mieux le gérer au mix. Et si on a une résonance à un moment, par exemple sur la basse, ça arrive souvent, sur la basse, il y a certaines fréquences qui ressortent à certains moments, certaines notes qui ressortent un petit peu trop, et ben on peut utiliser un égaliseur dynamique pour les contrôler un petit peu. Pour FabFilter Pro Q, 150€, ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu cher. Après, c'est un vrai investissement, hein, pour les home studios. Il y a des promos de temps en temps, pas énormes, mais il y a des promos. Et pour les personnes qui ont un truc étudiant, là, je sais qu'il y a des prix étudiants qui existent également. Sur Studio One, peut-on afficher plusieurs plugins en même temps? Oui, c'est vrai que là par défaut je l'ai pas fait. Il y a la possibilité quand on ouvre un plugin de cliquer sur la petite icône en haut pour petite icône d'épingle, c'est une épingle qui permet de bloquer le plugin, et du coup quand on va en ouvrir un autre après, on peut très bien aller et voilà, vous avez compris, ouvrir autant de plugins qu'on le souhaite dans la mesure où notre écran nous le permet. Ok, merci, je vais chercher la technique dans les paramètres sur Studio One, c'est possible. Studio One, c'est possible. Ah oui, c'était la réponse à la... D'accord. Je viens de le montrer. Les correcteurs paramétriques sont pratiques. On peut élargir la bande ou la réduire. Ça c'est le plus pratique, hein. c'est pour ça que FabFilter Pro Q ou l'égaliseur de base, hein, du Do, hein, parce que je crois pas l'avoir utilisé sur ce mix là, mais il est où quand même l'égaliseur sur Studio One, et par exemple celui de Logic est très bien, celui d'Ableton Live je le trouve pas ultra pratique, même si il, en termes de son il est parfait, hein, mais il est pas toujours ultra pratique à utiliser, je trouve le design pas foufou, mais suivant les logiciels, c'est pas tout le temps la même chose, mais il y en a qui sont très bien, et celui Studio One il est très bien, il fait la même chose que FabFilter, pratiquement, en tout cas sur les usages de base. Le workflow est important, mais en termes de son, quand on coupe une fréquence, ça va faire le job. Il y a une autre question, alors n'hésitez pas à envoyer vos questions, surtout sur l'égalisation, si vous avez des questions sur d'autres choses, hein. J'ai une question moi pour vous d'ailleurs, quels sont les plugins d'égalisation que vous utilisez, parce que j'ai répondu, j'ai montré ce que j'utilisais régulièrement, en tout cas un certain nombre. Vous, quels sont les égaliseurs que vous utilisez? Vous avez probablement comme nous tous, comme celui que je montrais à l'instant, l'égaliseur du Do, mais peut-être vous avez deux plugins, lesquels vous utilisez, de quelle marque, etc. Je vous laisse mettre les commentaires, je vais répondre aux autres questions, et puis dès que j'aurai lu tous vos retours, on va regarder ça. Question, quand tu es en mode compo, tu trouves une mélodie, une ligne basse, un rythme, ça dépend, mais faut-il placer un EQ au fur et à mesure sur chaque piste? Moi j'ai tendance à le faire, pas toujours de façon très très précise, j'y vais plutôt en mode un peu bourrin, c'est-à-dire que voilà, si j'ai envie, je me remets sur ça, on va désactiver quand même les plugins pour éviter de faire des bêtises,
enfin d'avoir des sons qui sont vraiment trop moches. Admettons que j'ai mon kick. Et on va mettre toutes les percus. Et je rajoute ma ligne de basse. Hop. Et là, je me dis, bah tiens, ça couvre un petit peu trop. Alors, c'est pas énormément le cas là, mais ça couvre un petit peu trop peut-être le kick. Hein. Alors, attendez, c'est parce qu'il y a encore l'égaliseur là-dessus. Voilà, si on revient à quelque chose qui était plus proche du morceau de base. Là, si on écoute le kick tout seul, bah il ressort correctement. Si on ajoute la ligne de basse, il commence à être quand même sérieusement noyé. Donc quand je compose, je vais souvent déjà bon, pour ce style de musique, hein, je vais déjà tout de suite avoir le compresseur en sidechain sur la ligne de basse. Hein, et pas hésiter à compresser beaucoup du coup hein, pour vraiment rabaisser la ligne de basse de façon très marquée pour vraiment entendre mon kick et puis après j'ajusterai au moment plus du mixage. Tout de suite on entend quelque chose d'intéressant et on entend le kick qui revient, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, il est déjà activé, je vais tout de suite avoir tendance à creuser sur la fréquence fondamentale et à booster un petit peu après. Hein. Voilà, pour aller contrebalancer, entendre le kick, enfin c'est la technique un peu classique d'égalisation, mais j'hésite pas à y aller un petit peu de façon un peu agressive, parce que sinon je vais perdre trop de temps à ajuster les sons alors que je suis en mode compo et j'ai pas que ça à faire d'aller faire ça. Ma question concerne la nécessité d'avoir autant de plugins différents quand on entend ce que les ingénieurs pouvaient faire à l'époque avant l'informatique. Alors oui, c'est une bonne question. Je pense qu'on aime tous les plugins, ça c'est la première réponse. Hein. On aime tous les plugins. On aime tous acheter des plugins, enfin moi, beaucoup. Je suis pas le seul. Dites-moi si vous êtes pas d'accord, mais je pense que on est tous un peu coupables à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est indispensable? Peut-être pas. Après, il y a, comme je le disais tout à l'heure, chaque plugin a potentiellement un caractère différent. Dans les plugins qui simulent du matériel analogique, bah, ils ont aussi potentiellement des caractères différents. Et à partir de ce constat-là, du moment où on fait ce constat-là, quand je prends un égaliseur type Pultec, c'est pas pour faire la même chose que quand je prends ProQ de FabFilter. Et du coup, je pense que c'est... C'est intéressant d'avoir différents outils pour faire différentes choses. On n'est pas obligé d'en avoir 1000. Hein. On peut très bien mixer avec un seul égaliseur, c'est pas un souci. D'ailleurs, on peut mixer sans égaliseur si jamais les prises de son sont parfaites, ou presque. Je pense que c'est intéressant d'avoir différents outils pour pouvoir peut-être aller plus vite. Hein. Je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête, faut pas trop intellectualiser le truc, mais c'est intéressant d'avoir les outils. Oui, j'aime le mode bourrin. Ouais, bah, ça fonctionne bien en mode bourrin parce que du coup, effectivement, on peut tout de suite. Enfin, on se concentre vraiment sur la compo. On n'est pas là en train de mixer. Hein, donc voilà. Le EQ Studio One marcherait très bien. Je suis absolument d'accord. Obligé de vous quitter. Je voudrais remercier Adrien pour sa formation sur le mix que je recommande chaudement. Bah, merci beaucoup Raymond. C'est très 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 gentil de mentionner ma formation. Mais je vous la recommande chaudement aussi d'ailleurs. Si jamais vous l'avez pas. Mais merci. Indépendamment de ça, merci beaucoup Raymond. C'est très gentil, je suis content de te compter parmi mes élèves de la formation. Benjamin qui dit il est fait comment le delay de ta ligne de basse, je ne sais plus. C'est Valhalla Delay, c'est le delay de chez Valhalla DSP. Hein. Ping-pong bien sûr, parce qu'on entend chaque côté, et puis un 16, un 8 pour créer un petit peu de. Comment dire? Pas un truc déséquilibré, mais j'aime bien quand les... Alors là, c'est pour ce style de musique-là. J'aime bien quand ce qu'on entend à gauche et ce qu'on entend à droite est un petit peu différent. Et du coup, ça permet tout de suite d'avoir un petit peu de rythme. Un petit peu de coloration aussi. Hein. Voilà, et puis bien sûr, un filtre sur les égaliseurs. Et puis, j'utilise un peu, là, ça doit être les réglages par défaut de... un petit peu, non, j'avais baissé un peu le wow, un petit peu de modulation pour que ce soit un petit peu plus original et qu'il y ait un peu plus de variation au fur et à mesure. C'est pas ça.
Est-ce qu'il est possible de faire une formation en audiovisuel en direct et non... En direct, non, formation en ligne. Alors, si la question, c'est de faire une formation avec moi, oui. Enfin, d'ailleurs, pas avec moi aussi, c'est possible. Mais avec moi, c'est possible. N'hésite pas à me faire un petit mail si ça t'intéresse toi et puis si ça intéresse d'autres personnes, d'avoir une formation en one-to-one, comme on dit, face à face, par ordinateur potentiellement interposé. N'hésitez pas à me faire un petit mail. Je propose des systèmes de call. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais des systèmes d'appels personnalisés qui durent en général une heure, qui peuvent être d'ailleurs pour vous aider pour le si vous avez des questions autour du matériel de home studio, vous cherchez à acheter du matos, etc. Déjà ça peut être un format, et puis pour de l'aide aussi sur le mixage, etc. On peut imaginer on peut faire exactement la même chose, on peut imaginer toutes sortes de formats qui correspondraient à vos attentes tout simplement. Donc n'hésitez pas à me contacter, et puis on verra ensemble quels sont vos besoins exactement, quel est votre niveau, quels sont les outils que vous utilisez, et puis on montrera un truc custom s'il y a besoin. Quelles sont les réponses sur les plugins? J'utilise le 6144 de DDMF. Alors je connais la marque mais je connais pas le plugin inspiré d'un EQ Neve, faudra que je le teste, c'est intéressant. C'est une marque qui fait des plugins sympas, qui est pas très connue en France mais qui fait des plugins sympas. Pro EQ Studio One, VC2A, VC76, Native Instruments, ils sont pas mal, les Native Instruments, ils datent un petit peu mais ils sont toujours bien. C'est très bien. Ensuite, sur la droite, qu'est-ce que j'ai? Neutron, effectivement, de Isotope, ProQ3, Smart EQ, effectivement. TDR Nova, il est très bien, il est gratuit, hein, si vous connaissez pas Nova de Tokyo Dawn Records. Ça se trouve, il est déjà mis, je sais plus si je l'ai utilisé. J'ai l'impression que je l'avais utilisé, mais je me trompe peut-être. Si quelqu'un voit TDR, dites-le moi. Comme je suis un peu loin de l'écran, c'est pas évident. Non, il y est pas. Nova. Non, pas Novaz. Nova. Nova, c'est ce plugin-là. Il est gratuit. C'est qualité professionnelle. Hein. Il y a une version payante d'ailleurs si vous voulez qu'il y ait encore plus d'options. Mais celui-là est déjà très très complet. Ça fait égaliseur, ça fait compresseur dynamique, ça fait plein de choses. Il y a une compensation de gain automatique. C'est vraiment un super plugin absolument pro. C'est vraiment de la super qualité. Donc n'hésitez pas à le choper sur le site de Tokyo Dawn Records. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Ça attaque pour ma part, j'utilise HEQ de chez Wave, ouais, il est bien. Le SSL EQ, le VEQ. Alors moi j'aime un peu moins les deux autres, mais le HEQ j'aime bien. Enfin après chacun ses préférences, hein, mais c'est intéressant. Raymond qui dit franchement la formation d'Adrien est presque personnalisée pour ce qu'il fournit un morceau et des pistes à mixer selon ses conseils. C'est très gentil effectivement, mais c'est un format. Après il peut y avoir besoin d'une question-réponse en temps réel aussi. Chacun a ses préférences de toute façon. Je vois du Slate aussi qui passe pour les plugins. Slate Digital, c'est une marque qui fait des... Alors moi, j'en ai pas beaucoup de leurs plugins, mais j'ai pas l'abonnement. Mais c'est plutôt des plugins que j'avais depuis un certain temps. Mais ils font des plugins très sympas, ça fonctionne bien. Tu utilises quoi pour ta... Alors je regarde, il y avait juste... Je crois que j'avais vu. Non, c'est bon, il n'y avait pas d'autres commentaires sur ça. Plugin ou synthé pour la ligne de basse. C'est un synthé virtuel. Je sais plus. Je pense que c'est Repro. Ouais, voilà, c'est Repro One de Yuhi. J'ai jamais su comment ça se prononçait cette marque d'ailleurs. Yuhi. Pour moi, c'est Yuhi dans ma tête. Mais si vous n'êtes pas d'accord, voilà. Repro qui sonne super bien. J'adore cette marque, j'ai plusieurs de leurs synthés, ça fonctionne vraiment de façon super et c'est vraiment top. Là j'ai vraiment fait un truc très simple, hein. Si je retire les effets, voilà, c'est juste. Voilà, mais ça fonctionne bien, j'ai une petite saturation en dessous là. Par défaut, ça sonne comme ça. Avec la petite delay, la saturation en plus.
petite démo repro. C'est très clair. Tu as pris une année sabbatique pour faire tout ça, Kondvorsky. Il y a des gens qui me suivent, qui savent tout sur Facebook, effectivement. effectivement, je suis en congé sabbatique actuellement, pour tout un tas de raisons. Je vais pas rentrer dans le détail dans la vidéo, mais ça me permet aussi de passer un peu plus de temps sur projet Home Studio, ça c'est sûr, et de passer plus de temps à vous faire du contenu. Il y avait pas beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que bah, du coup j'étais très occupé avec Gauthier. On a travaillé d'arrache-pied pour vous sortir ça, pour faire le live. Ouais. Mais voilà. Tac tac tac. Christophe il dit désolé, les deux natives sont des compresseurs et non des EQ. Oui, tout à fait, c'est des simulations de LA2A et 1176. Mais ça n'empêche pas que c'est des plugins qui sont top. Benjamin qui dit Yuhi font des synthés. Alors dis-moi, c'est comment vous pensez que ça se prononce hein, quand même, Yuhi, parce que du coup ça me perturbe parce que j'ai pas l'occasion de le dire souvent. Enfin bon, c'est pas grave. Ils font des synthés de malade. Le Hive, ben ouais, le Hive. Je me demande même si je l'ai pas utilisé. Je crois que c'est ça le lead. Hop. Il est où le lead? Non, c'est ça. Ça, c'est Hive, ça. Si je vire les effets. Voilà, c'est un truc tout simple avec une forme d'onde custom. Ça, c'est, on peut télécharger des formes d'ondes sur internet. Il y a pas mal de personnes qui proposent ça. C'est pas mal. Et notamment ce pack qui est vraiment sympa. Voilà, comme il y a beaucoup de... non, pardon, attendez, j'ai une bêtise, attendez. Non, si, parce qu'il est remixé très subtilement, mais c'est surtout une sign, hein, que, en l'occurrence, qui... c'est une sinusoïde standard qui... hop, que j'ai modulé avec une petite mélodie, et puis après, je rajoute les... donc là, il y a Hive, et puis le lead, c'est Hive aussi, hein. Ça peut sonner très très analogique, hein, parce que là on a un son, enfin, c'est juste une saut un peu classique, hein, avec un peu de chorus. J'ai mis en mode dirty, il y a trois modes dans le synthétiseur pour ceux qui connaissent pas, clean, normal, dirty. Quand je mets en mode dirty, le son est un petit peu différent, et du coup je trouve que ça peut vite sonner de façon un peu analogique, c'est pas parfait, mais... avec un petit peu d'effet, ça fait bien le job. Hein. Zebra 2 est très bien aussi. Tu joues à Doom? Ah oui, parce que je suis passé sur le bureau tout à l'heure. Hein. Oui, pour répondre à la question. Plugin Alliance, c'est bon également. Ouais, Plugin Alliance, c'est une marque, ils ont plein de plugins. Je vais remettre peut-être. Hop, je remets notre tête. Ils ont plein de plugins Alliance, comme le nom l'indique. D'ailleurs, plein de choses, n'hésitez pas à regarder l'abonnement. Alors moi, je suis pas fan des abonnements, je ne l'ai pas, mais j'ai testé pas mal de leurs plugins. Il y a vraiment de la très bonne qualité. Il y a des plugins qui sont un peu moins bien, mais au global, c'est quand même des plugins, c'est une marque fiable, donc voilà. Google Traduction prononce Yuhi comme toi, en tout cas. Mais si Google le dit, je pense que je vais continuer à prononcer ça jusqu'au moment où je rencontrerai les gens de la marque. voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions sur Professeur EQ. J'espère en tout cas que ce qu'on vous a montré, bah, ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez bien aimé, que Professeur EQ, ça vous est utile. Si vous avez d'autres questions sur Professeur EQ, bah, n'hésitez pas, c'est le moment avant qu'on clôture ce live. Si vous avez d'autres questions sur l'égalisation ou les plugins, ou on peut parler de tout ce que vous voulez, hein, parce que finalement on a parlé synthétiseur. Si vous voulez parler synthétiseur, on peut en parler aussi. Voilà. Il y a encore de la bande, ça c'est bon. Tu as bien bouffé ta bande Revox, ouais, il y a la moitié qui est... Mais du coup c'est beaucoup mieux, je sais pas pourquoi cette bande-là a été mal enroulée, mais elle est beaucoup mieux enroulée sur la deuxième truc, donc ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais... mais en plus je suis en vitesse lente, hein. Je suis en 3 inch. Enfin bon. Hop, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment, des questions sur le mixage, des questions sur les synthés, des questions sur Professeur EQ, sur Projet Home Studio, voilà, le Airvox sert de minuterie, j'ai pas compris la question de minuterie, j'avais...
Pardon, le Revox. Non, parce qu'il y a le plugin Airvox de chez Waves. Et je me suis dit, il y avait Airvox quelque part, et du coup, je comprenais pas. Pardon, excuse-moi, Jean-Paul. Il sert pas de minuterie, non, il sert de décor. Pour faire genre c'est stylé sur la sur le live. Oui, c'est une bonne appli pour exercer mes oreilles pourries, on va essayer. Bah, bon courage à toi. Une question mais ça, ouais, ça fait un peu sablier, hein, c'est vrai, du coup. Une question de Vincent. Dans quel cas tu utilises un synthé hardware versus virtuel? Alors franchement, ça dépend. Là, le morceau que vous avez entendu, je l'ai fait de façon assez rapide. Enfin, c'est pas un morceau complet d'ailleurs, c'est un passage. Je l'avais fait de façon assez rapide. Donc, quand je bosse de façon assez rapide, parfois j'ai tendance à utiliser les plugins pour faire quelques petits tests, pour faire des tests d'ambiance, des tests de son. Ça, c'est le premier truc. Après, généralement, sur les lignes de basse, j'ai un Moog Minitor par exemple. Moog Minitor, si, ça dépend comment vous le prononcez, mais la marque nous a expliqué un jour que c'était bien Moog que ça devait se prononcer. Enfin bon, peu importe. Beaucoup trop de problèmes de prononciation dans l'univers du Home Studio. J'ai un Minitor que j'aime mieux utiliser sur les lignes de basse, bien entendu, et je pense que ça vaut le coup pour les lignes de basse, que ce soit pour la techno, l'electronica, de l'ambiance, etc. Ça vaut le coup d'utiliser des synthétiseurs analogiques, parce que les basses, en tout cas, vous savez, beaucoup plus facile d'avoir un son qui sonne bien plutôt que d'utiliser des plugins qui peuvent sonner très bien aussi, mais généralement les basses, je les trouve un petit peu moins profondes, un petit peu moins rondes. Donc par défaut, sur les lignes de basse, plutôt analogique. Après, pour le reste, ça dépend un peu de la texture que je veux. J'utilise des mini synthétiseurs. Je sais pas si ça se qualifie comme synthétiseur, mais je vais essayer de le choper. J'ai un truc que j'utilise sur mes morceaux, c'est ça, le SK1 de chez Casio. C'est pas tout à fait, enfin si, c'est un synthétiseur techniquement, mais c'est plutôt un jouet à la base, qui permet de sampler des sons. Ça permet de faire des sons un peu lofi, etc. Donc du coup, ce genre de truc, quand je veux ce type de son, sonorité lofi, j'ai tendance à utiliser directement à utiliser ça. Voilà. Mais sinon, parfois il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec les plugins qui sont sympas également. Et je pense que notamment sur tout ce qui est modulation, quand j'ai besoin de beaucoup de modulation pour faire des pads, etc., j'ai tendance à utiliser des synthés comme Pigments de chez Arturia, synthés granulaires, etc. C'est tout de suite plus sympa. Je vais boire aussi. Café Studio est définitivement enterré. Alors, je suis content de voir qu'il y a des gens qui se souviennent de Café Studio. C'est vrai que j'ai pas fait d'épisode ces derniers temps. J'ai effectivement décidé de mettre en pause pour l'instant. Je trouvais que le format était un petit peu, enfin, à la fois intéressant, mais pas. Donc, alors, Café Studio, pour ceux qui connaissent pas, c'était en gros, vous m'envoyez vos questions et puis j'y répondais dans un épisode sur YouTube. N'hésitez pas, si jamais vous êtes sur Facebook d'ailleurs, à aller sur ma chaîne YouTube. Sur YouTube, vous tapez Projet Home Studio, vous allez trouver ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez vous abonner. Nous sommes tous abonnés dans cette pièce. Nous sommes tous abonnés. voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc Café Studio, j'ai mis un peu en pause. Je pense que le format est pas idéal. Faut que je réfléchisse à comment faire différemment. Ça pourrait être un live, comme là on est en train de faire. Je trouve que c'est un peu plus sympa déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il vaut mieux faire des lives pour répondre aux questions de tout le monde. Je pense que c'est un peu plus interactif que Café Studio tel qu'il était pensé initialement. Les questions comme disait Jean-Philippe tout à l'heure concernant les fréquences de chaque instrument, une grille peut être intéressante. J'ai pas vu le commentaire tout à l'heure, désolé. Une grille, alors du coup il faudrait que je remonte sur le mot grille, je sais pas où c'était. Une grille des plages de fréquences par instrument serait utile. Alors je suis pas sûr de bien visualiser le truc. Ah oui, ça veut dire que professeur EQ, un truc qui montrerait un peu sur chaque instrument où est-ce qu'on peut l'entendre, c'est ça? C'est-à-dire tiens, si tu veux écouter la guitare, c'est plutôt sur ces fréquences-là que tu devrais l'écouter, etc. Dites-moi. Gauthier, tu es aussi musicien à tes heures perdues ou juste programmateur? Alors je suis musicien, alors je fais de la batterie depuis pas mal d'années. Depuis 15 ans, ouais. Alors j'ai un petit peu arrêté depuis qu'on m'a dit que je faisais trop de bruit dans mon appartement, mais du coup je me suis mis à la guitare plus récemment. Et puis voilà, quoi, je joue
sur mon temps libre, j'essaie de m'entraîner. Il est très modeste, mais en fait c'est un batteur de ouf. Mais vraiment, je dis pas, non mais je dis pas ça parce que c'est live machin, mais je pense vraiment quoi. Question. Je vois que tu as un Aston Origin. Ouais, c'est un Aston Origin juste là. Est-ce que les Aston Origin peuvent convenir pour des micros de Drums Room? Donc ouais, Aston Origin, et puis là on a un Audix A231 que j'ai testé il y a pas longtemps. N'hésitez pas à regarder la vidéo YouTube, j'avais fait venir une chanteuse exprès pour tester ce micro là. N'hésitez pas à le regarder, c'est un petit microphone qui est sorti il y a pas très longtemps chez Audix, qui coûte je sais plus combien, c'est 700-800. Là je l'ai encore en test, faut que je le renvoie. Donc on en profite un peu pour le live parce que ça sonne bien. Voilà, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à tester aussi. Ça répond pas à la question. Ceci dit, est-ce que des Aston Origin peuvent convenir à des micros Drums Room? Ouais, pour moi, aucun souci pour mettre des Origin. Les EU, ils ont pas trop brillants. Je pense que ça va bien capter l'ambiance de la pièce. Donc, moi, pour moi, pas de souci pour les Aston Origin. Pour des rooms, même si bon, ça peut être intéressant de regarder d'autres choses aussi, peut-être des microphones à ruban aussi, pourquoi pas, peut-être ceux de chez No Hype Audio, je sais pas si vous connaissez No Hype Audio, c'est des microphones fabriqués en Belgique, c'est pas cher, je sais plus quel est le prix exact, mais c'est 200-250, un truc comme ça, enfin pour un micro à ruban c'est vraiment pas cher. Et le site peut-être pas de mine pour certaines personnes, mais en vrai c'est des bons microphones, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez, ça peut être intéressant. En tout cas, aucun souci pour l'origine sur une room. Darlene qui dit, au niveau des EQ, c'est quoi la fondamentale et les harmoniques? Alors, Sylvain, je te pose la question. je ne sais pas. la fondamentale, enfin, voilà, après, c'est un peu difficile à expliquer son schéma, mais potentiellement, il y a une note fondamentale qui est celle qui a le plus d'énergie, si on prend une sinusoïde basique, on va dire, et si à partir du moment où on ajoute de la distorsion, par exemple, sur cette sinusoïde, ben, on commence à avoir des harmoniques qui ressortent à des multiples de cette fréquence, et ça, c'est ça, du coup, les harmoniques. Je sais pas si ça répond à la question, mais je crois. C'est très clair. J'ai du mal à comprendre comment on peut utiliser un EQ hard avec une carte son externe et Studio One. Je vais pas pouvoir le. Si vous me laissez juste une seconde, je vais pouvoir activer. Par exemple, j'ai pas d'égaliseur. Mais... Hop, on va revenir sur la vue Studio One. J'ai pas d'égaliseur hardware, mais j'ai un. Hop. Je sais pas pourquoi c'est ouvert ça. Hop. Studio One. J'ai un compresseur hardware. Et donc, dans Studio One, il y a un outil qui s'appelle. Remplacer ça. Qui s'appelle Pipeline. Et donc, tout simplement, je peux dire j'envoie dans cette sortie-là le son. Et je le récupère dans cette sortie-là, et c'est comme ça qu'on fait le routing dans Studio One. Hein, et donc là, typiquement, je sais pas si... Hop. Ah, je vais peut-être tout envoyer. Vous entendez la compression, vous allez rester réglé de façon un peu légère parce que c'est un compresseur que j'utilise plutôt pour le. Alors je suis trop lent pour le régler en même temps, que j'utilise plutôt pour la compression de bus, enfin comme je viens de faire là, donc du coup ça peut être un peu subtil, hein, mais voilà, c'est pour ça que je suis rentré un peu plus dedans. Hein. Vous entendez tout de suite que les basses elles sont enregistrées un peu plus fort là, ceci dit, mais les basses elles se ressortent tout de suite plus. Hein. Hop. Que penses-tu de Pro Tools? C'est une question piège, ça. C'est une question piège parce qu'à la fois c'est un outil de référence dans l'univers du studio et en même temps moi je suis pas très fan. Je pense que en home studio, moi ça me semble. Alors c'est un outil, ça dépend en fait ce que vous voulez faire. Si vous voulez bosser avec plein d'autres personnes à travers le monde entier qui du coup vont potentiellement bosser sur Pro Tools, bosser sur des studios pro, si vous voulez envoyer vos sessions à des studios pro pour X raisons, ça vaut le coup d'avoir Pro Tools. Merci.
merci Benjamin, ouais, c'est vrai qu'il sonne bien, c'est le Heritage Audio successor, c'est, je trouve ça super sur les mix. Du coup, ouais, Pro Tools, donc si vous voulez travailler avec plein de personnes qui potentiellement ont Pro Tools, ça vaut le coup d'avoir Pro Tools. Pour moi, en home studio, ça vaut le coup de s'orienter vers des DAW qui soient un petit peu plus, j'allais dire, maniables. Après, c'est parce que chacun a ses préférences, donc c'est vraiment que mon avis. J'ai pas dit Pro Tools c'est nul, etc. Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais concrètement, Pro Tools, je le trouve un petit peu moins maniable, un petit peu plus compliqué. Parfois, il y a des. Alors, ça dépend des personnes, tout le monde n'a pas la même expérience, mais parfois, il y a des crashs, etc. Donc ça veut pas dire que ça marche pas, hein, c'est un outil utilisé sur plein de mix, enfin c'est un outil pro, il y a pas de souci, mais c'est ça, comment dire, je pense que c'est pas le plus maniable pour une utilisation home studio. Je préfère des trucs comme Studio One qui sont un petit peu plus user friendly, comme on dit. Tu as quoi comme carte son, combien d'entrées sorties? J'ai une RME UFX2, je sais pas combien il y a d'entrées sorties dessus, je le savais au moment où je l'ai acheté, je m'en souviens pas. Il y en a pas mal. J'ai 4 entrées en frontale et 8 à l'arrière, je crois. De retour, des amis, sorry, j'ai dû m'absenter un peu, mais pas de soucis, Laurent. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. On a fait le tour des questions, bah, du coup, je vous propose qu'on s'arrête là. On a déjà passé 1h30 ensemble. Merci beaucoup d'avoir été. D'avoir été présent, d'avoir été là, merci beaucoup, ça nous fait super plaisir. Merci à tous. Super. Ouais, je pense qu'on est vraiment super content de vous avoir présenté Professeur IQ. C'est un gros événement pour ProJump Studio. Pour ceux qui étaient présents, je m'excuse par avance parce que si vous êtes inscrit à la newsletter ProJump Studio, vous recevrez demain une newsletter qui vous dira que Professeur IQ est sorti. Donc je m'excuse du spam, mais je pourrais pas savoir qui était là, qui était pas là. Vous êtes déjà au courant du coup. Mais voilà, merci beaucoup. On espère que Professeur IQ ça vous plaît. Et j'espère aussi. Ben ouais, on a passé beaucoup de temps, on va continuer à travailler sur ça, hein, parce qu'il y aura, comme je disais, il y aura peut-être d'autres versions dans le futur, il y a d'autres choses. Moi je suis partant en tout cas, pour continuer. Mais on a plein de. On a encore des années de travail peut-être. On a encore des années de travail. Dites-moi, est-ce que si vous voulez qu'on fasse plus souvent des lives aussi, dites-le moi dans les commentaires, laissez-moi. Moi je trouve que c'est sympa les lives, on aime bien ça. Ce super live, on est content, merci beaucoup, c'est gentil, j'espère que ça a plu à tout le monde, merci beaucoup, c'est gentil. Merci les gars, merci pour cette bonne idée. Franck, on pourra se reparler si tu veux sur la RME, sur la Babyface. Si, je pense que tu peux faire des inserts, mais c'est un peu moins pratique. Enfin, parce que t'es sur la sortie, je crois que c'est la sortie. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est la sortie casque qui permet de sortir en ligne, même si ça doit être asymétrique, mais je suis pas sûr. Non, bon, bref, j'ai peut-être des bêtises. Faudrait vérifier, on s'en reparle en privé, puisqu'on est en contact en privé aussi. Merci pour la démo, vous pouvez aller boire une mousse, mais oui, on l'a laissé cacher en dessous, non. Merci pour Christian pour le partage du lien sur Facebook et sur les fréquences des instruments, je trouve que c'est intéressant effectivement. C'est l'histoire des montagnes noires, j'avais pas vu que tu étais là, ça fait très longtemps que tu me suis sur Projet Home Studio, merci pour ton soutien sans faille. Voilà, merci Bertrand, merci pour la démo des plugins, ouais, merci Bertrand, merci David. Si vous avez bien aimé le live, c'est très bien. On a des commentaires aussi sur YouTube. Benjamin qui nous dit il faut recommencer sur les compresseurs. Bah oui, on pourra parler des compresseurs. On pourra peut-être faire d'autres lives parce que du coup on n'aura pas de professeur EQ à pitcher en même temps pour dire professeur compresseur. Peut-être que ça arrivera, hein, si ça vous intéresse, on pourra réfléchir. Je sais pas si c'est faisable techniquement. Bon courage. Tu n'as pas fait de compresseur. voilà. Merci beaucoup. Oui, beaucoup de lives. C'est une très bonne idée. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. On s'arrête là. Bonne soirée à vous. Merci d'être resté sur tout ce live là. Ça nous a fait super plaisir, je le redis, mais parce qu'on est vraiment contents. On a beaucoup bossé sur cet outil, on a beaucoup bossé pour préparer le live, donc du coup on est contents de, voilà, que ça se soit bien passé, même si le live s'est lancé, si vous vous souvenez, un tout petit peu plus rapidement que prévu. Puisque j'ai cliqué sur les mauvais boutons, mais c'est pas grave. À très bientôt. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, je sais pas s'il faut faire coucou. bonne soirée, et puis du coup on va aller prendre une petite collation maintenant qu'on a soif après 1h30 de live. Bonne soirée à tous, salut à très bientôt.